Alors, Simchat Torah, c'est un temps particulier. On l'a fêté plusieurs fois quand on a fait des voyages en Israël. C'est une fête de réjouissance. On se réjouit de la Torah. On n'est pas là pour s'exciter. On n'est pas là pour simplement se faire plaisir parce qu'on aime danser. Mais c'est célébrer la Torah. Les 5 livres qui forment la Torah. De Bereshit à Dvarim. Et nous recommençons actuellement un nouveau cycle au travers de cela, avec Vezot Abracha, qui est dans Dvarim, Deutéronome, au chapitre 33 et le verset 1, et qui va jusqu'au chapitre 34, verset 12. C'est la fin, c'est la dernière lecture de la Torah de l'année, avant de recommencer le cycle après Simchat Torah. Et ceci va nous amener beaucoup plus loin. Et en même temps, vous allez comprendre l'importance de finir un cycle d'études où véritablement on est là dans la 54e section de lecture de la Torah, la dernière. Mais vous allez comprendre qu'elle est fondamentale par rapport à ce qui est à venir. Et également pour notre édification, notre croissance, mais également nous renouveler nous-mêmes dans la lecture de la Torah. Ça renouvelle l'âme, le cœur, et vous allez comprendre. Alors, ce qui est relaté dans les chapitres que j'ai mentionnés de Dvarim, c'est qu'il y est relaté les bénédictions, les brachot de Moshe aux 12 tribus d'Israël, ce qui va former le peuple. Vous savez que le peuple d'Israël a été formé en premier et avant toute chose au travers des 12 tribus. C'est David qui les a réunis à un moment donné et ce qui a changé complètement les données. Et donc, Moshe va faire les brachot aux 12 tribus en rapport avec celles qui ont été faites par Yaakov au préalable. Et toutes ces brachot, toutes ces bénédictions, elles sont toutes à caractère prophétique. Et notamment, Yaakov avait précisé ce qui arrivera dans la fin des temps. Et c'est pourquoi il est important d'être dans la connaissance de ce que Dieu a transmis à Israël, aux 12 tribus, mais également de celles que Moshe a établies de manière, on va dire, plus concrète. Alors, bien sûr, tout ceci est fondamentalement ancré dans les promesses des patriarches et de notre père Yaakov dans un premier temps. Alors, ces brachot définissent le rôle particulier de chacun à l'intérieur de la communauté et c'est ainsi que va s'ouvrir le nouveau cycle de l'entrée d'Israël dans la terre promise. Et ça, c'est le rapport que nous devons comprendre, entrer et pouvoir rentrer et s'établir dans les promesses divines durant le cours de l'année et non pas perdre du temps, s'égarer dans des voies, des chemins et toutes sortes de choses qui détournent notre cœur, notre pensée de la Torah et d'Hachem et de Dieu dans le Messie Yeshua. Alors, ce qui ouvre le temps de l'étude, c'est également au travers du livre de Bereshit, les commencements. C'est-à-dire, quand je l'ai traduit plus profondément de la pensée d'Israël et du passage, ce qui se crée dans les temps, les commencements, c'est ce qui se crée. J'ai souvent parlé du hibour, c'est-à-dire le monde de la gestation, le monde de la pensée divine, avant que les choses n'existent. Elles ont été parce qu'elles ont été. Et je dirais, il y a une façon de pouvoir entrer et pénétrer dans un certain nombre de choses qui peuvent constituer des mystères. Et il n'est pas besoin d'aller chercher dans les boules de cristal son avenir. Dieu nous le donne. Et à nous de marcher dans ces voies qui vont nous révéler réellement, concrètement. De toute façon, quand quelqu'un cherche quelque chose pour l'avenir, c'est souvent pour lui-même.
Ça n'a pas d'implication dans la communauté, ça n'a pas d'implication dans d'autres choses. Il veut savoir que pour lui. Les fonctionnements de Dieu ne sont pas obligatoirement comme ça. Ils concernent quelque chose à plus grande échelle. Alors, ce qui se crée réellement dans les temps de Dieu. Et il nous faut avoir cette compréhension que si nous faisons un nouveau cycle, nous sommes dans un nouveau commencement, dans un nouvel itinéraire. Personne ne sait ce qui va se vivre vraiment. Quand on regarde pour chacun l'année qui s'est écoulée, que de choses se sont passées de manière imprévisible. Parfois de très bonnes choses, parfois des moments difficiles, des épreuves, des douleurs, des afflictions, des changements. Et ça déroute. Ça déroute beaucoup. Et pourtant, Dieu nous dit de continuer, d'aller de l'avant, de marcher, et de ne pas nous détourner et nous arrêter. Alors, savoir créer des temps dans les temps de Dieu, des temps de vie, des temps de prière. Si on suit le calendrier, on trouvera tous les jours les temps de prière qui remplissent les journées et qui nous amènent réellement à découvrir quelque chose d'extraordinaire. Alors si nous prenons ceci dans le cadre de la Torah, il nous faut savoir également que dans la Bessora Tova, la bonne nouvelle de Matthieu, dans le chapitre 1, nous avons aussi une ouverture qui va annoncer quelque chose de très important à l'humanité. C'est celui de la venue de Mashiach, le temps du Mashiach, le temps du Mashiach, qui n'est pas n'importe quel temps dans l'histoire. C'est un temps qui a été marqué, qui a été fixé et qui a été voulu dans cette période sous l'occupation romaine. Donc pour nous, ce sera le chapitre 1 à 5 avec ce que nous avons fait ce matin dans l'Office Torah, ce qui constitue la base. La base, le fondement de Yeshua dans son rapport à la Torah, le sermon, hein, ce que les gens appellent le sermon sur la montagne, et c'est véritablement les Dvarim qui sont annoncés, et c'est aussi tout un programme. C'est le programme de Yeshua à Mashiach. Les commencements dans Bereshit vont nous amener dans les mystères élevés de la découverte d'un ensemble de choses peut-être inconnues à votre pensée. Vous allez voir que cette introduction va vraiment nous introduire dans quelque chose qui va nous élever. Mais également, il ne faut pas oublier notre assise qui est dans le Messie, dans le Mashiach, et qu'il n'a jamais renié la Torah, il ne l'a jamais rejetée, il ne l'a jamais méprisée, et surtout, il n'a enlevé aucun commandement. Il a gardé les 613 commandements. Que nous soyons clairs. Et ceci, on va le prouver, pas aujourd'hui, mais c'est facile à démontrer, très facile. Ce n'est pas un problème. Et il nous faut restaurer l'identité du Messie dans son rapport aussi de la Torah, car tous les enseignements de Mashiach sont liés à la paracha hebdomadaire qui a été établie. C'est un calendrier aussi que Yeshua, Mashiach, suivait lui-même. Et même au travers des fêtes comme celle de Soukhot, où nous trouvons dans Yohanan au chapitre 10, et nous pouvons trouver dans d'autres passages qu'il suivait également la fête de Hanouka, et ainsi toutes les fêtes. Et donc il était totalement aligné sur le principe de la Torah, des Nevi'im, c'est-à-dire des prophètes, et des Ketuvim. Et ceci nous amène à comprendre que Yeshua Mashiach va donner une dimension encore plus élevée, plus nouvelle, parce qu'il va nous faire entrer dans les temps qui s'accomplissent. Et que c'est au travers de lui que nous allons comprendre la fin des temps. La présence de Mashiach, la venue du Messie, le règne du Messie, sont les événements futurs les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Et je dirais que c'est ces temps qui sont en train d'arriver. C'est ces temps que nous sommes en train de vivre. Comme nous le disons, nous avons plusieurs expressions en hébreu, mais nous sommes dans le temps de Evelé Mashiach. Evelé Mashiach, c'est les temps prémessianiques,
ce qui précède sa venue, la venue de Machiav. Sachez que le peuple d'Israël, plus que jamais dans son histoire, peut-être autant qu'à l'époque de l'occupation romaine, attend avec ferveur le Messie. Prie, font des études dans le monde entier par relais 24 heures sur 24, se réunissent. Ils sont très fervents à ce niveau-là. Je ne trouve pas la même ferveur chez beaucoup de croyants. Je trouve beaucoup de passivité parce que vous remplissez vos jours de vos problèmes, de vos difficultés, d'un train-train, de quelque chose qui est presque monotone. Et souvent, les élans, c'est quand il y a des difficultés, des problèmes et ceci, et on s'approche de Dieu. Autrement, il y a de moins en moins d'intérêt. Et je dirais qu'il faut retrouver une ferveur. C'est ce que cela doit nous donner. Alors, entrer dans les accomplissements aussi de Mashiach, au travers de la Torah, parce que c'est un programme. Alors, c'est ainsi que va commencer beaucoup de choses, parce qu'il y a, dans notre concept hébraïque de l'étude, quelque chose qui constitue le pilier des temps. Et le pilier des temps, le point de repère dans le pilier des temps, c'est le Shabbat. Ce n'est pas un autre jour. Ce n'est pas un autre jour. Ce n'est que Shabbat. Avec ses rites, ses lois, ses pratiques, ses coutumes et tout ce qui a été établi. Certains ont voulu transformer depuis le Concile de Nicée, accentué par d'autres pour justifier d'autres choses, mais ce n'est pas Dieu qui a établi cela. Pourquoi c'est le pilier des temps, le Shabbat, et que ce n'est pas un autre jour? Parce qu'il n'est pas appelé samedi ou dimanche, déjà premièrement, il est appelé septième jour. Le septième jour s'est concrétisé au travers de la création du peuple d'Israël après la sortie d'Égypte, au travers du quatrième commandement. Et il est aussi valable que les autres, comme tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère. Celui-ci, c'est étonnant qu'il ait été quelque part mis de côté, remplacé et pas suivi. Je dirais qu'aujourd'hui, le temps de la restauration, dans le temps des accomplissements, c'est qu'il restaure réellement le calendrier de base de l'accomplissement des prophéties. Le quatrième commandement, comme le septième jour, sont des jours que Dieu a bénis et sanctifiés. C'est pourquoi il n'a pas sanctifié ni béni le dimanche. Je suis désolé, peut-être que je vous choque, peut-être que je vous surprends, mais le dimanche n'a pas été un jour qui a été béni et sanctifié. Quelle que soit l'attribution qu'on lui donne, en règle générale, par rapport à la résurrection du Seigneur, mais c'était surtout pour se distinguer d'Israël. Alors, c'est pourquoi c'est important de comprendre maintenant cette étude que nous avons sur Vezot Abraham, où nous nous réjouissons en la présence de la Torah, au lieu de le faire à Shavuot. Vous savez que c'est un paradoxe, parce que Vezot HaTorah, Simchat Torah, nous amène à comprendre la réjouissance de la Torah. Or, la fête de Shavuot a été le moment du don de la Torah pour Israël, un moment très particulier où l'alliance a été scellée et où l'engagement a été pris pour qu'il devienne son peuple. Et je dirais que c'est quelque chose qui demande un éclairage, donc on va éclaircir au travers de Shmini Atzeret, qui lui encore nous plonge en plus dans des mystères encore plus grands. C'est que normalement, tout a été créé en sept jours, mais Shmini Atzeret, comme le temps où nous sommes et que nous avons passé ces derniers jours, nous amène à réaliser que c'est le chiffre 8. Et il nous dit huitième jour. Alors normalement, logiquement, comme tout le monde, si j'arrive à 7, je repars à 1. Non ? Alors, huitième jour, c'est quoi ? Huitième jour, c'est ce qui va arriver après le 7 dans une transition de temps du règne du Messie.
Alors certains peuvent l'appeler comme ils veulent, hein, millénium ou je ne sais quoi, alors que beaucoup ne sont plus tellement au clair là-dessus. Mais c'est ce qui va séparer les temps dans les temps et qui va nous amener à découvrir d'autres choses. C'est le huitième jour de la dernière fête du calendrier, autrement dit de la fête de Soukhot. Simchat Torah est lié à cette fête. Et c'est quelque chose qui va être extraordinaire. Alors pourquoi ? Nous lisons justement dans ce cadre-là, Vezot Abraham, ce n'est pas uniquement pour marquer l'achèvement d'un cycle d'études de la Torah, et puis voilà, on va repartir. Ce n'est pas uniquement ça. Mais, comme le dit Maïmonide, il dit que la paracha Vezot Abraham est directement liée à la fête elle-même. Et c'est ainsi que Moshe va commencer et qu'il va donner les choses essentielles à ce niveau-là. Il va commencer sa bracha par ces mots mystères. L'Éternel est venu du Sinaï. L'Éternel est venu du Sinaï et il s'est levé de Séir, c'est-à-dire de Édom, Ézav, autrement dit. Il est important de comprendre que ceci pourrait se rapporter au don de la Torah. Mais ce que cela signifie réellement dans la pensée d'Israël, c'est que Simchat Torah va constituer un sanctuaire dans le temps qui doit rayonner la lumière de Dieu, la lumière du Messie, sur tous les jours de l'année. Les jours de l'année, au commencement, dans le commencement des temps, soit les ténèbres vont commencer à régner parce qu'ils ont pris autorité sur les jours, parce qu'ils ont pris possession de vos jours, parce qu'ils ont pris beaucoup de choses et ils vont se reproduire dans les autres jours. Donc l'année peut débuter par les ténèbres uniquement parce que vous êtes hors de la lumière. Et les ténèbres n'ont aucune autre force que celle que malheureusement on lui enlève en notant la lumière. S'il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Mais s'il y a des ténèbres, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Et en physique, c'est clair. La lumière n'est aucune force, aucune énergie. Elle n'a rien, rien comme puissance. Elle règne uniquement par l'absence de lumière. Une âme dont la lumière est éteinte, plongée dans les ténèbres, verra des jours noirs. Des jours qui ne seront pas obligatoirement de joie, comme on devrait l'être dans cette particularité de la fête de Simchat Torah, hein, de remplir notre cœur pour tous les jours de l'année de joie, d'allégresse, de réjouissance. Mais ils peuvent être habités par autre chose. Et c'est un peu ce que nous allons voir également, parce que le principe hébraïque de la lecture de la Torah et de ces renouvellements de cycles, c'est que nous voulons dire tout simplement que le début, c'est-à-dire les commencements, ou le commencement, eh bien, la fin est ancrée dans le début. Et c'est ainsi que Dieu a conçu. Et les commencements, ce n'est pas simplement des commencements où Dieu s'avance par hasard dans l'histoire, des moments où il improvise l'histoire, il adapte l'histoire. Non, tout a été fait. Pourquoi ? Et c'est un véritable mystère parallèlement. La manière dont les prophètes ont vu le futur, ont vu les temps de la fin, comme Daniel. Et c'est clair que dans le monde juif rabbinique aujourd'hui, le livre de Daniel n'est pas négligé parce qu'il est rempli de chiffres, de codes. Il est rempli de choses intéressantes qui correspondent tout à fait à ce qui se produit sous nos yeux. Et je peux vous dire qu'il y a un décodage qui est fait particulier et avec l'interprétation juive, dans la dimension réelle de la Torah. Et donc, c'est quelque chose qui nous amène à réaliser que même la parole prophétique, chez beaucoup, n'est que mentionnée, lue
ou essayer de convaincre ou de dire, bon, ok, il faut sortir peut-être et comprendre le sens de la prophétie dans le peuple d'Israël. Et elle nous amène à réaliser que les choses ont été annoncées, mais ce qui a été annoncé est devenu promesse, et cette promesse deviendra accomplissement. J'aime poser cette question quand, dans le passé, j'ai enseigné. Il y a quelque chose qui a toujours retenu mon attention, c'est combien y a-t-il de prophéties dans la Bible ? Combien ? Combien ? Eh oui, mystère des mystères. On pousse. Combien se sont accomplis ? Et combien de prophéties reste-t-il à accomplir ? Tout le secret est là. Je pourrais vous donner le chiffre. Mais il y a une accélération aujourd'hui. Et il reste globalement 200 prophéties sur plus de 500. Ça veut dire la fiabilité de l'accomplissement. Et que ce n'est pas simplement un point de vue personnel qu'on doit jeter sur des paroles de Yeshua ou ceci ou cela, mais de bien comprendre le sens des accomplissements dans les temps de Dieu. Et que ce qui a été dit, ce que le Messie a dit, ce que les Shlechim ont dit, s'accomplira. Ce n'est pas les doctrines qui vont déterminer quand ça va s'accomplir. Ce ne sont certainement pas les hommes qui vont avoir un pouvoir là-dessus, mais quand les temps se prêteront aux événements, ils s'accompliront. Et je crois que c'est très important également de comprendre qu'il y a des temps que Dieu a prévus pour nous, et ce n'est pas pour rien que Shaul de Tarse nous le dit aussi, afin que nous entrions dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Simplement, si on fait un bilan de l'année et des années passées, regardons dans le calendrier, je disais jeudi soir, mettez des croix sur les choses où vous êtes vraiment rentré dans les choses préparées d'avance et celles que vous avez ratées d'avance. Et vous allez avoir un bilan où personne ne peut critiquer, c'est votre bilan, parce que c'est vous qui le voyait, qui le visualisait, qui le comprenait et qui fait partie de ce que vous avez établi comme itinéraire. Il est clair que entre la théorie et la réalité de la pratique, de l'engagement, de remplir les jours dans les voies de Mashiach, de pouvoir marcher dans l'application des voies de Mashiach et de réaliser que nous marchons réellement vers un but et pas simplement pour être sauvé, délivré de la temporalité. Le but, ce n'est pas cela, c'est l'éternité, la vie éternelle. Yeshua nous l'a bien dit. Il ne nous a pas dit, c'est pour que tu demeures plus longtemps en vie dans la temporalité. Hein. Ça n'empêche pas, comme nous l'avons lu tout à l'heure, que Dieu est Adonai Rofea, notre médecin, le médecin qui guérit, qui soigne, qui diagnostique le mal et d'où vient la plaie intérieure de l'âme. Et il y a des raisons. Beaucoup de gens vivent dans les travers, le mal, le péché, vivent dans le lashon hara, vivent dans des haines, des non-pardons et toutes sortes de choses. Et il faut comprendre que même en psychologie, ça donne toutes sortes de dysfonctionnements parce que tout est en rapport aussi avec les commandements de l'Éternel qui agissent dans notre corps. J'ai donné beaucoup d'études là-dessus qui ont vraiment, vraiment amené beaucoup de libération à des gens, qui ont amené beaucoup de guérison intérieure, de compréhension, parce que nous ne faisons pas toujours le rapport entre nos organes et la dimension spirituelle. Et nous minimisons, alors nous justifions le mal. Par exemple, quand quelqu'un fait du lashon hara, c'est-à-dire de la médisance, ce n'est pas obligatoirement que de la critique positive ou négative. La médisance, médire sur quelqu'un,
qui vient de la racine également de maudire. Quand quelqu'un est dans l'intention de faire du mal et qu'il va commencer à utiliser cela, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas sans conséquence dans le temps. Et que très souvent, des choses peuvent se produire et arriver en conséquence, mais sans faire le rapport. Alors, on peut toujours dire, c'est machin, truc chouette qui vole dans les airs, là. Non. L'emprise des ténèbres va être là. Par contre, remplir ces jours de lumière, de bonté, d'amener la chesed, la joie, d'amener la positivité, d'encourager, de véritablement pratiquer des choses simples que Yeshua Mashiach nous demande. Et je dirais, c'est ça l'application. Il y a la Torah et également ce que Yeshua demande qui est totalement en accord avec la Torah et qu'il n'y a pas du tout de séparation entre les deux. Alors, ce que l'on va voir, c'est qu'il nous faut aller un peu plus loin. Simchat Torah, vous le verrez demain, c'est une fête où on danse, non en carré, non en file indienne, mais en cercle. Et le cercle a le sens de l'infini et il est lié au chiffre 8. Et il est lié à toute cette dimension éternelle. Parce que dans le cercle, il n'y a ni début ni fin. C'est la définition d'un cercle, mais il n'y a ni haut ni bas. Et c'est quelque chose qui montre qu'on est tous égaux dans ce cadre-là. Alors, comme je vous l'ai dit, cette paracha, c'est la 54e section de la Torah. Et la dernière lettre de la Torah, dans les brachot de Moshe, va finir par Israël. Le dernier mot de la Torah sera Israël. La dernière lettre qui va clôturer toute la Torah, c'est le Lamed, et qui va former, si on le traduit en français, le L. C'est la dernière lettre, et elle est le centre de l'être. Lamed, c'est le centre de l'être, celui de l'étude et de ce qui enseigne. En même temps, enseigne qui et quoi. Qu'est-ce que la Torah enseigne à qui? Et elle enseigne quoi? Et si, comme disait mon Rav, si la Torah, si l'étude d'Israël, si tout ce que tu fais, eh bien, ne t'a rien appris, c'est que tu n'as rien compris et que tu n'es pas du tout dans le coup. Et je dirais que des fois, quand on pose des questions, les personnes ne savent même pas répondre. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier. Aujourd'hui, beaucoup ne lisent pratiquement plus la Bible, ils la lisent sur Internet. Ils apprennent des choses et ils cherchent en fonction un certain nombre de choses. Mais il n'y a plus quelque chose qui enseigne. Et qu'est-ce qui enseigne qui, quoi? Et c'est clair qu'il nous faut le comprendre parce qu'il nous faut être enseigné. C'est une colonne vertébrale de l'année. C'est ce qui forme les directions divines. C'est ce qui forme le cœur dans l'année. Pas seulement une intelligence, une connaissance intellectuelle, mais quelque chose qui va former l'âme et le cœur. Et regardez comment cela se fait. On clôture par le Lamed. Et la première lettre qui va être utilisée dans le nouveau cycle va être Bereshit. Et c'est la lettre Bet. Et lorsqu'on réunit ces deux lettres, qu'on les associe, alors ça forme le terme lève, le cœur. C'est-à-dire que celui qui étudie sans le cœur, celui qui n'étudie pas, mais qui étudie toutes sortes d'autres choses, ou qui s'occupe et qui fait ça et ça, un jour il aura la surprise de passer vraiment à côté et peut-être même de rétrograder. Former le cœur. Former le cœur de la dernière lettre de la Torah à la première lettre de la Torah veut dire que c'est l'enseignement qui va enseigner le cœur. Et il est clair que c'est ce qui va former le cœur dans l'année. En même temps, le cœur
est, comme vous le savez, un organe vital. Non ? C'est un organe vital. Pourquoi c'est un organe vital ? Il est même indispensable. On est d'accord, hein, Liliane ? Pourquoi ? Il est indispensable au renouvellement du sang dans l'être. L'âme se renouvelle également par l'étude du cœur, par l'étude de la Torah du cœur. Ce n'est pas non plus pour rien que nous parlons également de l'ADN, de la rédemption, du salut au travers de Yeshua HaMashiach, qui est au niveau du sang. Mais si nous n'avons pas le souffle de vie de la part de Dieu, de ce qui a régénéré réellement un être, ce qui lui a donné une naissance nouvelle, alors il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui restera figé, quoique vivant, parce que biologiquement vivant, mais spirituellement mort. Et ceci est à comprendre que la Torah, dans ses deux sens, elle donne ce qui donne la régénération et le sens spirituel au travers du chiffre 2, terme clé de la Torah. Les da, en hébreu, avec le lamed, va former aussi, à côté de l'imoud, l'enseignement, la correction, ce qui se transmet, ce qui se reçoit et ce qui se prolonge. On n'a pas une connaissance finie, on a un début. Et chaque fois que nous commençons quelque chose, nous sommes toujours à un début. Et tout le savoir n'est qu'un début. Tout ce que nous croyons savoir plus que les autres, en fait, c'est qu'on n'a rien compris, on n'en est toujours qu'au début. C'est le sens du cycle qui renouvelle. Mais regardez, derrière, il y a quelque chose de très important, parce qu'il y a deux termes clés dans cette Torah. Le premier, c'est celui donc, que je viens de dire, l'Eda, et l'Eda veut dire naissance. Un commencement, c'est une naissance. Un commencement de vie, c'est une naissance. On donne naissance à la vie. Et je crois que c'est quelque chose de très important parce que l'Eda, c'est ce qui procure la vie. Un autre terme est utilisé, qui est clé, c'est Mavet, au singulier, hein, qui veut dire la mort. L'enseignement de la Torah est infini, elle est éternelle et elle se renouvelle chaque année. Je pense que là, le pilier est posé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une naissance. Pas une renaissance, c'est une naissance. On va naître à nouveau dans les 7 jours de la création divine. Et le premier élément clé de cette naissance, elle va se trouver dans la lumière. La lumière. La lumière. Il y avait le chaos. Il y avait l'informe, le vide, le néant, l'anéantissement, l'inexistence. Et la lumière donne l'existence. Bah, bah, bah. Mais elle fait naître. Et regardez, on va percer un petit peu, parce qu'on est à Shabbat, on ne peut pas étudier longtemps, le mystère. Cela veut dire qu'avec l'Eda, on va avoir quelque chose d'extraordinaire. Alors que Mavet va marquer davantage la fin d'un cycle de vie. Un cycle de vie qui ne se renouvelle pas. C'est ça la mort. C'est qu'il n'y a plus de continuité. Il n'y a pas de suite. Là, nous avons fait le rapport entre le Lamed, le Bet, qui nous montre qu'il y a une fin, la clôture de la Torah, mais qu'elle recommence dans son cycle de vie. Mavet, c'est si vous le mettez entre les deux, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de nouveau cycle. Et c'est comme ça que les gens, malheureusement, inconsciemment, vont reproduire les vieux cycles sans vie, sans joie, sans enthousiasme, sans quelque chose qui les booste dans le Seigneur.
Alors, en même temps, ça veut dire pour nous, et je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et vous verrez, c'est extraordinaire, ça veut dire que c'est un passé terminé. Vos cycles de vie humains, dans l'année, vous avez pris une année, on est d'accord. Chacun a fêté un anniversaire. Ah, il y a des drôles de gens, là, avec des idées, on ne fête pas les anniversaires. Ah ouais, tu sors ça d'où, toi? Il y a quelque chose à comprendre, quelque chose qui est terminé. Aucun renouvellement de pensée, autrement dit. C'est, dans l'hébreu, littéralement, c'est la fin de la pensée, une forme de mort spirituelle, ce qui est à comprendre qu'il y a un besoin à chaque fois, à chaque reprise, d'être dans la naissance. La naissance nouvelle, c'est un nouveau cycle de vie qui a débuté déjà dans le premier mois de l'année réelle qui est Pessah, la sortie d'Égypte. Et c'est là où nous voyons que Yeshua Mashiach est l'agneau de Pessah. Et que c'est dans ce temps, dans cette période, qu'il a vaincu la mort. Pessah, ce n'est pas le pardon, c'est de passer de la mort à la vie. Pour être très clair, c'est Yom Kippour. Le pardon est l'expiation et la réconciliation. Et c'est pourquoi, si nous n'avons pas un bon calendrier, nous ratons les étapes. Nous passons à côté. Pessah va donc constituer quelque chose de fondamental. Et c'est Yeshua Mashiach qui en est l'accomplissement. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde au travers de sa vie qu'il donne, au travers de la fête de Pessah. Et pas une autre fête, pas un autre jour, pas un autre jour. C'est dans ce calendrier. En même temps, comme je vous l'ai dit, il nous fait passer de la mort à la vie. Et c'est pourquoi la sortie d'Égypte, c'est également dans le but de nous faire réaliser que nous devons sortir de l'Égypte, pas pour errer uniquement tout le temps dans le désert, mais pour entrer dans les promesses. Là aussi, prenez un calendrier. Quelles promesses, finalement, se sont accomplies, réalisées pour vous? Dans quelles promesses? Je crois qu'on marche beaucoup à l'aveuglement. On est beaucoup dans l'improvisation. On est tellement dans les jours de nos vies présentes, de la temporalité, de nos soucis matériels, de nos soucis de santé, de ceci, de cela, que nos jours sont bouffés. Et la place qu'on donne à Dieu, elle est très restreinte. Ce n'est pas parce que vous mettez des CD. Ce n'est pas parce que vous allez aller sur Internet que vous allez les combler. C'est l'implication personnelle qui fait toute la différence. Alors, on va continuer. Non seulement il a été sur le bois de Golgotha, mais il est ressuscité. C'est ça, passer de la mort à la vie. Et la naissance, s'il y a mort, eh bien, il y a résurrection. Et Yeshua dit bien qu'il est la résurrection et la vie. Et au travers de sa résurrection et la vie, il a donné naissance à des nouveaux fils, à des Talmidim. Mais ces Talmidim avaient la lettre Lamed gravée dans le cœur. Ils ont été enseignés. C'est ce qui a formé la pensée de l'âme, la pensée du cœur. Et c'est ce qui a été la base de leur vocation et mission. C'est l'enseignement de Mashiach. Et pas un autre enseignement de je ne sais quel gars qui vient de quelque part, qui enseigne tout et son contraire, où il n'y a aucune cohérence, pas de cohésion, on passe du coq à l'âne, et on passe de ci, et on passe de ça, et on va, on retourne là-bas, et on reparle des problèmes du lieu local, et on repart là-bas, et on essaye. Ok. Mais je dirais que, voilà, même pour ceux qui font chez vous, c'est des Talmidim enseignés. Et c'est quelque chose qui marque le cœur. Vous savez, il n'y a aucune expérience qui peut s'oublier quand elle est marquée, gravée dans le cœur. Aucune. Et ça, ce sont aussi des points de repère. Des Talmidim enseignés parce qu'ils ont implanté le Lamed, l'enseignement du Messie, qui l'ont suivi.
Ensuite, le deuxième accomplissement qui a eu lieu, parce que Yeshua constitue finalement l'incarnation de tout, il va y avoir une transmission qui va se faire au travers du retrait d'Israël, les branches retranchées, pour que les nations puissent connaître la rédemption. Pas pour qu'on nous vole nos fêtes, notre calendrier, notre Torah et notre pratique. Normalement, c'est pour, comme la fête de Soukhot le dit, être dans Zacharie 14, le rassemblement de toutes les nations, pour être face au Messie, Yeshua, qui va régner. Et je crois que c'est peut-être un des points qu'il nous faut également retenir. Je ne vais pas m'attarder là-dessus du fait qu'on en a parlé à Soukhot. Mais je crois qu'il y a quelque chose de fondamental à réaliser, c'est que juifs et non-juifs doivent être ensemble pour le Messie. Et non, ne penser que certains disent comme ça parce qu'ils ont la trouille, et ils essayent de le justifier et ils n'arrivent pas à l'argumenter de manière cohérente, l'enlèvement de l'Église. Il y en a qui parlent. Et après, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus rien. En quoi consiste le retour de Mashiach? Et c'est là qu'il faut donner du relief et de la cohérence. En même temps, je dirais que c'est au travers de cela que la joie doit être le règne du Messie. Car tous les problèmes et les tristesses, les afflictions s'arrêteront. Et c'est pourquoi Simchat Torah constitue également la fête de la joie du salut. Et parce qu'il est le Davar, et le Davar, c'est la lumière. Si vous faites le rapprochement avec ce que j'ai dit, tout est dans Bereshit, la joie de la vie éternelle. Alors l'inverse, c'est vrai que c'est l'état de tristesse. Lorsque on n'est pas dans la vie, lorsque l'on n'est pas dans la lumière, lorsque les jours ne sont pas éclairés, lorsque nous sommes simplement dans des ombres, donne un état de tristesse. Qu'est-ce que la tristesse dans l'hébreu? La tristesse est définie dans les Tehillim et dans d'autres endroits comme étant une tristesse déjà où la mort nous a pris. Nous sommes déjà pris par la mort. Si nous sommes dans la mort, c'est parce que la tristesse nous a pris. Mais pourquoi? Parce que la mort, c'est la tristesse. Et la tristesse ne vient pas de la vie. La vie, la vraie vie, ne peut pas donner de tristesse. Dieu est Simcha. Dieu est joie. Dieu donne la joie. Dieu donne des fêtes de joie. Oui, il donne des fêtes austères, des fêtes de remise en question. Mais pour notre bien, pour notre salut, notre restauration, notre rétablissement. Et dans un deuxième temps, il y a la joie qui l'accompagne, qui accompagne ce temps. Mais aujourd'hui, on est dans un siècle, une période qui va s'accentuer avec encore plus de gens happés par la mort. Vous savez que les suicides des jeunes, des enfants qui tuent même les dérèglements, je crois qu'on peut remonter dans l'histoire, il y a peut-être des cas isolés, certains cas, on peut dire, mais jamais dans ces proportions comme aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais. Le suicide des jeunes est inquiétant. Mais derrière, c'est que la vie n'est plus supportable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Il n'y avait plus de vie, et la vie s'est arrêtée, elle s'est coupée quelque part. Ils ont survécu, mais à un moment donné, ils n'ont plus pu continuer dans la survie. Alors ils meurent. La mort, c'est aussi cette tristesse spirituelle qui l'a définie. Pourquoi? Parce que dans cet état-là, il n'y a aucune force de renouvellement. Il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a rien. Il n'y a pas de suite. Il y a quelque chose qui assombrit et qui continue de s'assombrir et qui amène de plus en plus
la perte de l'énergie, de la vitalité qui est liée à la lumière. Alors c'est ce qui définit le plus la mort. Une mort ne peut donner aucune vie, aucune naissance. Et tout se fige, comme dans notre corps, si le souffle de vie s'arrête, tout se fige dans notre corps. Le sang s'arrête de circuler, l'expiration se faisant, il n'y a plus rien qui fonctionne. Le cerveau s'arrête, même s'il peut avoir une petite activité, mais c'est la fin. Et ceci veut dire que c'est exactement le fonctionnement de l'être humain par rapport à Dieu et à la Torah et au Mashiach. Alors tout se fige, tout peut s'arrêter. Et en étant clair, ça définit le lève, hein, le lamed du lève, qui est l'organe vital, et que si le cœur ne se renouvelle pas, ne s'oxygène pas, alors à ce moment-là, il y a problèmes de santé qui peuvent devenir graves. Mais en même temps, si nous réalisons spirituellement dans le cycle, eh bien cela peut vouloir dire qu'il n'y a pas de renouvellement de pensée. C'est pourquoi on a l'impression d'avoir parfois des personnes autour de nous qui pensent toujours la même chose, qui sont toujours dans le même état, qui sont toujours dans les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, et toujours avec les mêmes soucis, avec les mêmes reculs. Et il n'y a pas obligatoirement de progrès. Il n'y a pas obligatoirement de progrès. On peut être très religieux, fidèle sur Internet, ici, n'importe où, mais ne pas être dans le progrès. Alors c'est pourquoi nous devons comprendre que si le cœur cesse de battre, la vie le quitte. Le sang, l'oxygène, n'est plus transporté, ce qui veut dire que tout devient froid. Il n'y a plus de chaleur. Le corps a une température. L'excès de température, vous le savez, est porteuse d'un symptôme de dysfonctionnement de quelque part où il y a une maladie qui agit, ou un virus, ou une bactérie, ce que vous voulez. Alors, ça peut aussi se traduire par cette tristesse qui est quand même liée, alors ça c'est la pensée hébraïque, par quelque chose qui exprime l'insatisfaction. Ceux qui sont les plus malheureux, les plus tristes, sont ceux qui sont insatisfaits. Jamais contents, râleurs au possible, très français. Hein. Toujours en train de réclamer, de se plaindre, il n'y a jamais assez. Ah, il y a toujours quelque chose, il y a rien. Et puis même si on s'engage, ça ne va pas parce que peut-être pas. Jamais content. Je crois qu'il y a un chanteur qui chantait ça, vous devriez acheter le disque. Jamais content, jamais content, toujours mécontent. Parce que l'insatisfaction, c'est la finitude. Et elle est symboliquement définie par la dernière montée de Moshe au mont Nebo. Au travers de ce terme, Har, qui signifie le mont, le mont. Et ce terme dérive de la même racine que Hirburim, les pensées. Hirburim veut dire les pensées. Les pensées qui s'élèvent dans la montagne de la vie ou de la mort. Vous savez qu'il y avait deux monts sur lesquels ont été prononcées les brachot et les malédictions. Et que ce n'est pas par hasard que celui-ci représente un élément important, le mont Nebo. Alors elles ont aussi les pensées, le sens de réflexion, de méditation. Ainsi, celui qui ne médite pas sur ses voies n'a aucune réflexion de vie. C'est-à-dire, celui qui n'étudie pas, ne médite pas, la Torah s'égare, s'éloigne et la vie progressivement le quitte. La joie le quitte. Et plein d'autres choses sont ôtées. Alors, bien au contraire, il y a un secret qui nous est dit dans la Torah, que celui qui médite la Torah jour et nuit. Médite la Torah jour et nuit.
réussi dans toutes ses voies. Réussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles, voire des échecs qui peuvent arriver, mais il n'est pas terrassé. Il arrive dans ce qui est réussi. Et il arrive à réussir. Il surmonte l'épreuve. Il va surmonter la difficulté. Et il va véritablement pouvoir prendre les jours de la vie à pleine main. Et il nous est précisé dans Josué 1,5 que c'est alors qu'il aura du succès. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir des stars. Même les petits, là. Il y a vos kids. Hein. Tout le monde veut devenir des stars, nouvelles stars, machin et tout. Dans le business, pareil. Dieu ne demande pas que nous soyons des stars. Il demande que nous soyons des disciples fidèles. Alors si le mot lève nous enseigne que le cœur, synonyme de vie, est placé juste, entre guillemets, à la mort de Moshe, ça se traduit dans la pensée d'Israël profonde que la mort est un miroir dans lequel se reflète tout le sens de la vie. Et c'est en dévoilant cela que Moshe révèle la bénédiction aux tribus d'Israël, qui révèle sa chesed, c'est-à-dire sa bonté. Et il donne, au travers de ses paroles, non pas parce que lui ne va pas rentrer, non pas parce que lui a été sanctionné à cause du peuple, non pas parce que lui va mourir et qu'il va faire comme beaucoup le font, être dans l'ego et dire « Ah ben je vais mourir, tant pis pour vous, débrouillez-vous pour la suite !» Beaucoup pensent comme ça. Moshe ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sait tout ça. Et moi je dirais que c'est une profonde blessure, douleur. Hein. Vous n'imaginez pas ce qu'il a dû vivre. Voir, ne pas entrer. Avoir donné toute sa vie pour ça et ne pas entrer. Et derrière, il ne va pas regarder à ça. Il va donner un futur au travers des 12 brachot. Lisez ces bénédictions. Vous verrez que ce n'est pas simplement de bénir le chef de la tribu et de dire « Je vois en toi un grand serviteur de Dieu, tu vas devenir l'homme du réveil de toutes les nations. Tu vas ramener, tu vas voir, dès que tu vas ouvrir la bouche, tout le monde t'envole. » Il ne lui dit pas ça. Il fait peser sur la tribu qui va devenir une identité spirituelle de territoire, d'occupation du territoire d'une partie d'Israël. Un sens spirituel, mais qui s'accomplit avec les 11 autres tribus. Et c'est ainsi que Yeshua, avec les Shlechim, les Talmidim, va faire. Il va leur donner les nations. Je sais que j'ai beaucoup parcouru cela avec les études et quand j'ai regardé un peu les itinéraires trajets de Shaoul de Tars. Beaucoup de lieux qui ont été des moments clés dans beaucoup de domaines, aujourd'hui sont musulmans, païens, et la France devient païenne. Point. Principe de laïcité. Je lisais dans un journal chrétien la pénurie de vocations dans les églises, pénurie de personnes pouvant s'engager et également une réflexion qui se met en place avec un corps pastoral sur l'avenir et le futur de l'Église. Dans ce que j'ai pu comprendre, il n'y en aurait pas. Il y aura un reste. C'est ce que nous faisons aussi au travers de Chauvou. Se maintenir par un lien international, européen, dans quelque chose qui nous réunit, qui nous rassemble, dans l'enseignement, dans la mission, dans la restauration réelle de ce que doit être la relation entre juifs et non-juifs, dans quelque chose qui est cohérent et
qui va donner une force, mais qui va apporter également le salut à Israël et qui va être un témoignage pour Israël. Et voilà où on en est aujourd'hui. On est dans ce rassemblement. Alors il donne un futur, et ça signifie quoi ? C'est un commencement de l'histoire nouvelle pour eux, l'entrée dans le pays. Il y a sa mort, mais il y a l'entrée dans le pays. Et ça constitue qu'il n'y a pas de finalité. C'est ça le cycle de la vie. Il transmet la vie, l'être le reçoit dans toute sa plénitude et comme dans ses paroles de Moshe au chapitre 80, pas chapitre, dans le psaume 90 et le verset 12, l'un de ceux qui est mon préféré à chaque début d'année. Enseigne-nous, je vous le traduis littéralement de l'hébreu, enseigne-nous à bien compter nos jours, et ce qui veut dire, pour être plus précis, pour que nous acquérions un cœur ouvert à la sagesse. Cette sagesse, elle est créatrice et elle s'écoule au travers des lèvres nétivotes. Je vais conclure en disant tout ça, que le Seigneur véritablement veut former quelque chose et amener une nouvelle compréhension d'un peuple. Vous pouvez vouloir rester chrétien dans une pratique chrétienne avec tout ce que cela, je n'ai rien contre, si c'est votre appel, votre vocation et que c'est votre lieu, là où vous vous sentez bien, restez-y, allez-y là-bas, surtout, surtout restez. Mais s'il y a quelque chose qui doit commencer à nouveau dans le cycle de cette année qui va s'amplifier dans ce qui a commencé les autres années, c'est une continuité. Alors bien sûr que j'ai pu voir même au travers de Chauvou ceux qui partent enthousiastes et un peu de difficulté, d'autres choses, où ils mélangent tout et ils se tirent. Finissent pas, persévèrent pas, et leur vie sera un exil de recherche. Ils chercheront tout le temps, partout. L'insatisfaction, c'est ce qui va détruire la joie de la rédemption. Or, si je me réjouis de la rédemption, ce qui est écrit dans l'Apocalypse du reste, alors à ce moment-là, la vie me prend et la joie. Et ceci va vouloir dire qu'on cessera d'être des religieux, mais on sera dans la conformité de l'enseignement de Yeshua Mashiach. Et que cela veut dire une continuité dans du long terme. L'intention du court terme, et j'en rencontre plein des gens comme ça, et ils viennent des fois qu'avec l'intention pour qu'on les marie ou qu'on les baptise ou qu'on fasse ça ou ça. Dès que tu fais ça, ils se disent, aujourd'hui, ça, c'est fini pour nous. Hein. Fini, 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 fini. Il va y avoir des choses plus claires, des fondements, parce que l'année se fonde sur la lumière. Et c'est ensuite que les éléments ont été créés. Baruch Hashem, que Dieu vous bénisse. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Priez pour Jérusalem.